vous avez pendant 3 jours assidûment nourri la réflexion à travers les activités que vous avez menées dans tout le pays au bénéfice du secteur privé, mais également pour expliquer la législation et la réglementation en Guinée. Vous avez examiné, critiqué, amendé pendant 3 jours les rapports d'activité des 8 chambres régionales de commerce qui elles-mêmes résumaient les activités des 33 préfectures, des 33 antennes préfectorales des chambres de commerce et des 5 communes de Conakry. Vous avez examiné dans les détails, critiqué et amendé le plan d'action opérationnel pour l'année 2023. Vous avez examiné également le budget exécuté pour 2022. Vous avez fixé un nouveau cap avec des orientations plus ambitieuses parce que le gouvernement souhaite que nous allions vite dans la promotion du secteur privé, dans la formalisation des activités économiques, dans la délivrance des cartes de commerçants, dans l'organisation des marchés, que dis-je, dans la promotion du secteur privé. Vous pouvez vous féliciter des résultats obtenus. Certes, il y a eu des faiblesses, il y a eu des insuffisances, tant dans l'organisation que la qualité du travail. Nous avons compris au niveau du Bureau consulaire national vos réserves, vos observations. C'est à ce titre que vous avez adopté tous les documents, bien entendu, quelquefois, sous réserve d'amendement, ce que nous nous engageons à faire. Je suis très content de prendre la parole ici, de voir que des émotions à la réalisation de la Chambre des commerces nous sont légèrement embarquées sur le chemin du réalisme. J'appelle ici réalisme, nous sommes en train pour la première fois d'adopter, bien entendu sous réserve, le budget de la Chambre, mais pas un budget dans l'air ou un budget qui est conçu sur du rien. C'est conçu en face d'un plan d'action bien établi, des actions phares qui portent sur le renforcement des capacités, qui portent sur le renforcement du personnel, qui portent sur la valorisation justement de l'entrepreneuriat et rendre nos entreprises, nos actions compétitives et sur le plan national avec un outil aujourd'hui performant que le contenu local, mais aussi au-delà de nos frontières, parce que un pays aujourd'hui n'a plus de frontières.